Allô, bonjour. Quel est votre prénom, oui. s'il vous plaît? Pino. Pino. Et votre date oui. de naissance? Du 1-1-1956. Oui. Et vous nous appelez d'où? Chapelle-l'Herlaimont. Chapelle-l'Herlaimont, à côté de la Louvière. Oui. C'est ça, oui. Ok. Alors, que désirez-vous savoir, Pino? C'est au niveau sentimental. Niveau sentimental, par rapport à quelqu'un en oui. particulier? Non, pas du tout, non. C'est, bon, il y a 6 ans, je suis divorcé. Je ne suis plus... Il y a 30 ans, j'étais marié. Mm-hmm. Alors, je vais dire que je ne serai plus perdu dans mon recherche. Voilà, donc en fait, vous cherchez une compagne, mais vous ne trouvez pas la personne de votre vie. Voilà, c'est ça. Je trouve, mais ça n'a pas ceux qui... Voilà, qui, ne reste qui pas... Ouais, voilà. Alors, voilà, ouais. on va regarder pour vous. Écoutez, moi, oui. je vois qu'après une période de doute, vous avez quand même une belle réussite qui est là. Donc, après des moments de traversée du désert où vous vous demandez si vraiment, finalement, vous allez rencontrer une personne voilà. intéressante, moi, je vois quand même de bons aspects. Donc, vous n'avez pas vraiment à vous tracasser. Hein. Je vais regarder oui. pour voir à peu près dans combien de temps. Donc, votre vie d'homme va changer. Je vois aussi, ça n'a rien à voir, mais je vous le dis, je vois une rentrée d'argent qui arrive oui. à peu près dans les oui, deux mois, dans les 2 à 3 mmh. mois, parce que c'est le chiffre que j'ai. Moi, je dirais que pour rencontrer une personne, c'est à peu près, je dirais, dans les 5 mois, parce que j'ai un chiffre 5 pour vous. Donc, oui. d'aujourd'hui à dans 5 mois, il y a une nouvelle fusion qui est là. Donc, vous rencontrez une nouvelle personne. C'est vraiment oui. une toute nouvelle personne. C'est pas quelqu'un que vous connaissez déjà. Donc, c'est vraiment, je vais pas dire le fruit du hasard parce que le hasard n'existe pas, mais votre destinée sera avec donc cette personne. Mais c'est pas une personne que vous côtoyez aujourd'hui. Donc, c'est vraiment une nouvelle personne. Et vous allez voir que les choses, pour moi, vont bien se passer. Parce que j'ai vraiment le ressenti qu'avec cette personne, vous allez pouvoir vous sentir en harmonie avec elle. Je vois de nouvelles initiations pour vous. Donc, c'est-à-dire que si vous avez des hobbies, cette personne a des hobbies certainement, vous allez les partager, vous allez avoir des passions communes. Et quelque part, c'est un peu la femme inespérée. Parce que ça fait longtemps déjà que vous êtes seul. Vous avez eu des aventures comme tout le monde, mais vous êtes vite rendu compte que ces personnes, ces femmes que vous avez rencontrées ne cherchaient pas de stabilité. Donc il faut que vous soyez confiant. Donc je vous dis, dans 2 à 3 mois, il y a une somme d'argent qui arrive quand même, c'est pas négligeable. Et à peu près 5 mois, voire 5 mois et demi, 6 mois grand maximum, il y a cette personne qui arrive dans votre vie. Et moi je vois que vous la rencontrez dans un cadre amical. Donc ça peut être une petite sortie entre amis, mais au départ, c'est voilà, vous faites une sortie sans penser rencontrer quelqu'un. Et puis vous allez voir cette femme, voilà, qui va vous apparaître très belle, gentille. Vous allez échanger vos numéros de téléphone, et de là va se découler donc toute la suite logique d'une histoire d'amour. Vous allez vous revoir, vous allez échanger des SMS, et puis vous allez aller manger au restaurant, et voilà, les choses se feront petit à petit. Mais je vois quand même que déjà du départ il y a quelque chose de fort. Alors un détail important, c'est qu'elle est libre aussi, donc c'est pas une femme qui... vous n'allez pas être amant dans l'histoire, vous allez être vraiment en couple, parce que moi je vois que c'est une femme qui a également, dans ce que je peux voir ici, souffert pas mal à cause d'un homme il y a aussi quelques temps, donc du mal à se remettre. C'est pas une femme qui a collectionné les hommes non plus, donc elle a vraiment envie de se
se poser, comme on dit, avec quelqu'un et pouvoir aller vraiment avancer dans la vie, dans la relation avec une nouvelle personne. Et elle a besoin de beaucoup de stabilité. Et je pense que vous êtes quelqu'un qui pouvait justement lui apporter cette stabilité et pouvoir vous sentir bien vraiment avec cette personne. Donc moi, je n'ai que des aspects positifs. Hein. Donc il faut vraiment que vous restiez confiant et tout se passera bien. Ah bah super. Voilà, mon cher Pino. Je vous dis à bientôt. Oui, bien sûr. Au revoir. Merci, au revoir. Ouais, merci à vous. Ciao, ciao.